C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Nous avons une joie ineffable d'être avec vous cet après-midi pour célébrer la gloire de Dieu. Il a fait de grandes choses pour nous. Nous sommes dans la joie. Mars 2023, mars 2024, un an de lutte, 12 mois de combat, 365 jours de victoire pour ce ministère, End Time Ministry. Nous glorifions le nom du Seigneur. C'est vraiment une grâce extraordinaire aujourd'hui. Nous allons glorifier le nom du Seigneur en cette circonstance si spéciale. Ainsi, nous allons commencer avec l'adoration. Nous allons appeler notre bien-aimé sœur Michel-Ange Ildéus. Elle va chanter pour nous au jour béni, jour de victoire. C'est un grand jour, un jour de victoire. Nous allons adorer le Seigneur. Chantons ensemble la gloire du Seigneur. Au jour béni, jour de victoire. L'Église, mon Dieu, bénis. Un cri, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Merci, bon Jésus. Merci, bon Jésus. Allah au grand Seigneur. Allah au grand Seigneur. Allah au grand Seigneur. Alléluia, gloire. Alléluia, gloire. Alléluia, gloire. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Nous va ouvrir chaque l'espérance nous ensemble avec moi. C'est dans sa veille. Alors, c'est dans 155 français à la gloire de Dieu. Au jour béni, jour de victoire. Alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada.
pour le chrétien, la respiration de son âme. Un chrétien qui veut respirer doit prier. Ainsi, mes frères et sœurs, nous allons écouter le révérend pasteur Yves Dorcé dans la prière d'invocation. Inclinons-nous pour la prière. Pasteur Dorcé. Magnifier ta grandeur, ô toi Seigneur, toi qui nous conduis dans les sentiers les plus difficiles. Éternel notre Dieu, notre roi du Tout-Puissant, mes petits garçons, eux, à petites filles, courbées bien bas le vent. Cet après-midi, pour nous commémorer, mon Dieu, cette première année de lutte de l'Église End of Time Ministry. Seigneur, nous te remercions pour l'opportunité qu'on a chacun de nous.